Bonjour Natacha, bonjour Emmanuel. Bonjour Bonjour. Emmanuel, bonjour Pascal. Je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Bonne chance Emmanuel. Et puis nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler et on t'écoute, en commençant par la santé, si tu veux bien. Merci. Commençant par la santé, c'est que depuis mon incarnation sur cette vie ici, j'ai eu de complications de santé. Moi, j'appelle ça des syndromes depuis le jour que je suis venue au monde, même depuis d'aller au ventre de ma génitrice. C'est que ma génitrice, quand elle était enceinte de moi à 4 mois, elle était alitée jusqu'à ma naissance parce que je voulais descendre, je voulais pas rester. Suite à ma naissance, je suis incarnée avec un rein à moins. Problème de désinfection urinaire, colique néphrétique. Tous les ans, en fait, j'avais plus de fer. Mes fers, apparemment, j'utilisais mes fers. Après, quand je n'en ai plus, je tombais malade et je rentrais à l'hôpital pour m'injecter de fer, parce que j'étais anémie. J'ai eu beaucoup d'infections urinaires. Je vide jamais ma vessie, je le vide à 70%, ce qui fait que ça me provoque des infections urinaires. J'ai l'urètre qui est dilatée de gauche, parce qu'en fait, j'ai un rein de droite, mais de gauche, j'en ai pas, mais j'ai l'urètre qui est en position, qui fait rentrer des microbes dans ma vessie. Il y a un an, j'ai eu un accident de route, on m'a amené aux urgences. Tout le monde était étonné pourquoi j'ai vécu les 5 accidents parce que la voiture, c'est tout la voiture qui a pris. On m'a fait un scanner, on m'a diagnostiqué un fibrome ovarien. Attends, j'ai Explique. pas compris. L'accident de la route, il y a eu quoi alors, du coup, pour l'accident? J'ai eu surtout des chocs émotionnels parce que j'ai vu la voiture arriver. C'est une route départementale, une voiture qui est arrivée à 140 qui m'a pris par derrière, qui m'a jeté de la route sur une poteau. Et je suis réveillée, même jusqu'à ménage, j'ai ces séquelles parce que quand je conduis, je vois une voiture arriver très forte, je panique en fait, qui va pas s'arrêter parce qu'elle me voit. Beaucoup plus de chocs émotionnels que matériels en fait. Physiquement, j'avais Donc rien, mais maintenant, au niveau du aujourd'hui, donc, tu as une panique sur la route aujourd'hui. Tu as de la panique pour exact. conduire, tu veux dire? Non, je conduis, mais quand je vois une voiture qui va me dépasser ou qui arrive très fort à droite ou à gauche, est-ce qu'elle me voit, est-ce qu'elle va s'arrêter? Et là, je grimpe le volant, de temps en temps, je donne un coup de volant, comme ça et tout. Je ne suis pas très stable à la route, en fait. Mais je continue D'accord. à conduire quand même. Et donc, à part le choc émotionnel, tu n'as pas de séquelles physiques. Non, Il n'y pas a du pas tout. eu, y a pas eu de... Ah oui, tu n'as rien eu, Non, tu en es sorti non. indemne. Exactement. C'est la Et voiture la qui a tout. voiture? Et Ah il y oui, a tout qui d'accord. le casse, en fait. Ah oui, ok. Donc du coup, c'était presque une miraculée, là. Une voiture à Exact. 140 qui te rentre dedans, c'est quand même un sacré choc, non? Franchement, oui. Même la gendarmerie qui était venue pour me sortir de la voiture, ils ont vu que je suis sortie toute seule parce qu'en fait, quand la voiture m'a jetée et je sentais une chaleur de la voiture qui va exploser, j'ai ouvert la porte, je suis sortie. Et après, le capot de l'endroit qui a le moteur, il s'est ouvert, commence à sortir de la fumée. Le temps que je sortis et tout, le gendarme me dit, mais comment tu as fait pour sortir? Je sais pas. Donc, c'est pas une curiosité pour toi? Tu te demandes pas comment j'ai fait pour me sauver de cette situation? Pendant un moment, oui, mais maintenant, non, c'est pas pas du tout, parce que j'ai compris beaucoup de choses derrière, en fait. Qu'est-ce que tu as compris alors? Suite à ça, en fait, quand je suis rentrée à l'hôpital, qu'on m'a fait des examens, on m'a dit que j'ai une fibrome ovarienne, j'ai décidé de m'a demandé de faire des traitements chimiques. J'ai dit non. En plus, c'est l'hôpital que j'ai travaillé. J'ai cherché un magnétiseur pour me la sécher. Et suite à ça, j'ai fait des examens et tout ça, mais des examens un peu homéopathiques, en fait, pas de chimiques. Oui. Et ça m'a, j'ai décidé de jeûner. Et j'ai commencé à jeûner. Au bout, ma jeûne, et ça m'a déclenché. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 4 mois, quasiment, je ne me nourris pas des aliments solides, en fait. Ça m'a D'accord. ramené cette, voilà, ça m'a amené le processus et j'arrive à me dire, en fait, il y a quelque chose qui devait se passer et mon travail, parce que je suis aide-soignante, mon travail, maintenant, je fais mon travail, mais je ne suis pas du tout
de l'application que je faisais avant, en fait. Je suis beaucoup de recul. Je fais juste qu'est-ce que j'ai à faire et je fais autre chose à côté pour pouvoir sortir dans cette branche-là parce que ça ne me correspond plus, en fait. D'accord, donc ça fait 4 mois que tu jeûnes, c'est ça, et que tu ne prends pas d'aliments solides, c'est ce que j'ai compris. Exactement, oui. Et tu as l'impression que ce fibrome ovarien a disparu? Oui, je l'avais l'impression jusqu'à il y a quelques jours, j'ai vu une dame qui fait de la médecine ayurvédique, en fait, pour pouvoir me manipuler. Et il m'a dit, il voit pas le fibrome, mais par contre, au niveau des appareils génitaux de femmes et tout, il voit une matière très sombre, très dense, quelque chose qui est là et qu'il faut que j'essaye de le faire partir. Il m'a dit, je te fais confiance, toi toute seule, tu es capable de le faire. Et voilà, à voir. D'accord, mais tu as eu une preuve, on va dire, médicale que le fibrome a disparu ou pas? Ou... Non, j'ai Non. pas fait parce Ah. faut que je fasse un scanner et j'ai pas envie de faire un scanner avec injection. D'accord. Donc, ok, on va quand même aller voir de ce côté-là. Donc, au niveau de l'appareil génital, donc il y a des sombrités, c'est ça que tu dis? Exactement, oui, c'est ça qu'est-ce qu'elle m'a dit, mais aussi je le ressens. Aussi physiquement. Il y a aussi le fait que ça fait un an, je tente avec mon compagnon d'avoir un enfant et que ça ne se présente pas. Je me dis, ça doit tout jouer. Et en sachant que entre 2013 et 2017, j'ai fait 7 interruptions de grossesse volontaires parce que j'étais dans une époque de ma vie qui était très. On peut dire très sombre, très difficile. Et au jour d'aujourd'hui, de mon âge, je sens ces âmes, ces incarnations qui sont présentes. J'essaie de faire des travaux pour pouvoir m'alléger, des trucs comme ça, mais c'est pas encore trop ça, sur mon ressenti. Hein. Donc, tu sens la présence des âmes. Oui, Donc, exactement. on va voir ça. Okay. Donc, tu as eu 7 interruptions de grossesse. Et là, maintenant, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Hein? C'est ça, oui. D'accord. Ok. Bon, on va voir ça. Qu'est-ce que tu as d'autre comme point au niveau santé? Au niveau santé, après, j'ai les lunes qui sont très courtes, qui sont très douloureuses. Ça dure au maximum ces 3 jours. Pas assez abondantes. C'est très sombre, très dense, douloureux. J'ai la peau aussi qui est très sèche. J'ai des angines, des eczémas. Au quotidien, en fait, c'est beaucoup moins qu'avant par rapport à le jeûne et tout ça. Il s'est calmé, mais quand même, ils sont présents, en fait. Je le Donc la ressens. peau est sèche, hein, c'est ça. La peau est sèche, oui. Ok. Oui. J'ai le cheveu qui se casse, en fait, j'ai tous mes cheveux qui sont tombés. J'ai Cheveux les ongles. secs. Hein. Non, cassés. Ils sont cassés, Cassés. Ah, mais secs, s'ils se oui. cassent, ils sont secs, non? Oui, C'est pas ça? c'est ça, ouais. Il y a un ensemble, c'est cassé, c'est sec, c'est abîmé, c'est l'ensemble de choses qui fait que j'ai tout perdu, mes cheveux, au Tout fur et à perdu, mesure. t'as plus de cheveux là. Oh, j'ai un peu, mais comme ça. Ah Ah, oui, d'accord. avant, j'avais une grosse tagnasse, et là, Et pas que je depuis vais quand m'étendre. alors? Ça fait un espace de 5 mois. En 5 mois, d'accord. Ouais. Ok. Et il s'est passé quelque chose en 5 mois pour que tu perdes tes cheveux? Oui, en fait, pendant le Covid, j'étais à Toulouse, chez une salle de coiffure africaine, parce que j'avais les cheveux intenses pour demander un soin, pour qu'ils me fassent quelque chose. Ils m'ont fait de protection avec des produits à la tête et tout, avec des tresses africaines. Après, le Covid, je l'ai gardé 5 mois, 6 mois, je n'ai pas pu retourner. Et au bout de 6 mois, j'ai tout enlevé et à tous mes cheveux, en fait, qui est venu, en fait, commence à tomber et qui est J'ai pas parti avec. compris. Qu'est-ce que tu as gardé quoi pendant 6 mois? On m'a fait on dit des tresses de protection, en fait. C'est des tresses Ah, des africaines tresses qui de retombent, protection. voilà, dans les cheveux. D'accord. De protection de quoi? Mais pour porter, comme il y avait le Covid, je ne peux pas aller très souvent me coiffer, en fait. C'est pour pouvoir Ouais. garder ces cheveux.
Il me dit en fait en bonne santé, j'ai pas besoin pendant 6 mois, un an, je peux garder mes cheveux sur ces produits-là. Qu'est-ce qu'on m'a fait sur la tête sans faire quoi ce soir, et ça continue et ça a donné l'effet contraire en fait à mes cheveux. Donc, on t'a mis un produit, c'est ça, pour faire des tresses? C'est ça, oui. Et le produit, tu l'as gardé pendant 6 mois sans te laver les cheveux? Et entre autres, on peut dire ça, oui. D'accord. Et du coup, tu as perdu tes cheveux? Oui. Ouais. Bon. Très bien. Ok. Donc, c'était pour te protéger. Donc, du coup, tu as perdu tes cheveux. Oui. Alors, quoi d'autre? Ouais. Les ongles qui se cassent, qui sont jaunes et qui se cassent. J'arrive pas à garder les ongles très longs, ça se double, ça se casse facilement. Je ne sais pas si ça vient le fait que j'ai pas de fer, en fait, malgré que je fais des cures de fer, mais ça reste pas. D'accord. Donc, du coup, le fait de manquer du fer depuis ta naissance, c'est toujours d'actualité, c'est ça? C'est toujours d'actualité, oui. J'ai fait souvent des D'accord. cures, mais j'ai jamais pu stabiliser à barre de fer correctement. Bien. Donc, quand tu as un rein en moins, les coliques néphrétiques sont encore actuelles ou c'était à ta naissance? Alors, les coliques néphrétiques, la dernière fois que j'avais fait une qui était grave, c'était en décembre l'année dernière. Mais D'accord. cette fois-ci, j'ai mis beaucoup de choses en place par rapport à mon mode de vie. Et j'ai pu tenir à la maison pendant 72 heures de ne pas aller à l'hôpital avec des aspirations, de soulagement, de massages et tout ça, baisser la température. Au bout de 72 heures, j'étais très fatiguée. J'étais fatiguée physiquement, je ne tenais plus. Et là, j'ai appelé le médecin qui m'a envoyé une ambulance qui m'a amenée à l'hôpital. Mais le temps d'arriver à l'hôpital, on m'a injecté de la morphine et tout. Et après, je suis calmée, je rentrais chez moi. Et ça continue encore 48 heures. Et là, je me suis soignée toute seule avec des méthodes naturelles, en fait. Et Et ça fait combien de depuis temps donc que tu... décembre l'année dernière, là, cette année, j'ai 2 fois, mais ça n'a pas duré plus de 48 heures toute seule avec des méthodes. Je m'allonge, je me détends, je respire, j'expire, je bouge, je me relaxe, tout ça. Et ça passait toute seule sans traitement. Parce que aussi, c'était moins douloureux et ça passait. J'ai eu 2 fois cette année. Là, je D'accord, ok. pratiquais. Les infections urinaires, c'est pareil, c'est t'en as encore eu récemment? Oui, j'ai encore, quand j'ai attaqué le jeûne jusqu'à maintenant, là et tout, j'ai eu parce qu'arrive un moment, je ne buvais plus parce qu'en fait, quand j'ai commencé à boire, mon corps, j'avais très mal, en fait, je ne supporte plus. J'ai dit, mais là, j'arrête de boire. Et pendant, je crois, on peut dire un mois et demi, je ressentais mon pipi qui était très dense, très foncé, très. Et mon corps qui me demandait à boire. J'ai commencé à boire et j'ai eu une infection, en fait, parce que j'ai trop évacué le germe qui était dans ma vessie, en fait. Et ça a duré 2 jours et après, c'est bon, quoi, ça passait. Donc tu as arrêté de boire, donc tu as eu une infection, c'est ça? Et là, Oui, je tu as pense. repris la boisson? Oui, là, je bois quand mon corps me demande, je bois quand je soif, je sens que je soif, je bois en fait, je suis à l'écoute du corps. D'accord. Ok. Bien. Et donc là, tu as l'urètre dilaté à gauche, on est d'accord, hein? Exactement, oui. D'accord, ok. Bien. Alors ensuite, autre point de santé, tu en as d'autres ou pas? Bon, là, je pense qu'on a fait le tour. C'est le plus important. Parfait. Bien. Alors après tes autres points, alors les 6 autres. Les 6 autres points, je ne sais pas si là je peux dire au niveau santé ou je pense que ça en vient dans un autre point. En fait, je souffre du syndrome d'infériorité. D'accord. Et co comment tu le sais de... Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui fait dire ça? C'est parce qu'en fait, j'ai très honte et très gênée de ma voix, en fait. Quand je parle, je sens que j'ai un accent, des trucs comme ça, et ça me complexe, ça me bloque. D'accord. Ben là, pour l'instant, tu t'exprimes bien.
Oui, pour l'instant. Oui, on peut dire ça comme ça, exactement. Et le fait qu'en fait, je viens dans une tribu de sept enfants, je suis la deuxième, ils ont tous eu de super études. Je suis la seule qui n'a pas fait d'études, je suis autodidacte. Et je constate que j'ai beaucoup de capacités à faire des choses, mais quand je suis arrivée dans un point qui demande de bagages intellectuels, paperasses, des diplômes et tout, j'ai pas et je me bloque. Et là, je pars dans une dépression, dans une colère vers moi-même, que tout ça m'arrive parce que si je n'ai pas ça, si j'avais fait ça aujourd'hui, si j'avais un diplôme, si j'étais ça, j'aurais pu faire ça, regardez qu'est-ce qui m'arrive. Et ça devenir une boucle en fait, parce que je commence beaucoup de choses et je finis jamais par rapport à cette problème d'infériorité que je le ressens. Que je... Là, ça D'accord, fait ok. que. Voilà. Ok. Bien. Ensuite. Et ensuite, je suis très colérique parce que je peux dire, j'en veux ma génitrice de ne pas avoir été présente le moment que j'avais besoin d'elle, de mon enfance, mon adolescence, juste au début de ma vie d'adulte. Au jour d'aujourd'hui, j'ai tout coupé, les relations, même avec mes frères et sœurs de sang, j'ai aucun contact. J'essaie de me construire, mais quand même, au fond de moi, il y a une colère qui est là, qui est présente. Quand tu dis ma génitrice, tu parles de ta mère. Exactement. Parce que pour moi, c'est D'accord, pas une mère. maintenant tu l'appelles ma génitrice. D'accord, ok. Donc tu as coupé les relations avec toute ta famille ou avec seulement tes frères et sœurs? Avec tout le monde. Même mon géniteur, c'est pareil. Tout. D'accord. Ok. Géniteur et génitrice alors. Bien. Ok. Ensuite. Et ensuite, j'ai je peux dire une pathologie en fait, de toute début de ma vie d'adolescent, ma vie d'adulte. J'avais développé une méthode pour survivre. C'est le mensonge, la tricherie et le vol. Parce que j'étais dans une famille, c'était la solution pour pouvoir exister. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis consciente, je fais beaucoup de choses, mais quand même, il y a tendance à venir sur le présent en fait. Et ça me fait mal parce que je suis conscient, je le vois, mais à des moments, j'ai l'impression que je ne peux pas faire autrement. Mais en fait, même je sais que je peux faire autrement, c'est rentré dans mes méthodes de vie et ça me gêne énormément. Tu veux dire qu'aujourd'hui encore, tu utilises le mensonge, la tricherie et le vol, c'est ça? Ça m'arrive, oui. Ça veut dire que quelque part, tu as une kleptomanie dans les magasins, tu voles ou comment ça se traduit? Ouais, on peut dire ça, c'est dans le magasin en fait, même si c'est un petit truc de rien du tout et tout. Par Ouais. exemple, au restaurant, je vais aller dans un restaurant, je mange et tout, et au début, ça m'amusait tout, le cuillère est très sympa, tu prends la cuillère. Je me dis, mais pourquoi faire en fait? Ah oui, d'accord, ok. Et c'est T'as très, voilà, un truc comme ça. encore une espèce de kleptomanie, quoi. D'accord, ok. Exactement. Et ça me fait mal parce qu'après, quand j'arrive, je constate ça, je ne suis pas bien et ça me monte le stress, je transpire, des trucs comme ça et tout. Je suis très pas très bien en fait. Ok, on verra ça. Bien. Bon. Et le mensonge, la tricherie, c'est pareil alors. Tu l'utilises C'est encore pareil. aujourd'hui? Oui, j'utilise par exemple, je suis avec mon compagnon et tout. Juste hier, qu'est-ce qui s'est passé? Je connais quelqu'un que j'avais connu pendant une époque parce que pendant 4 ans, j'étais à l'étranger. Il a pris contact avec moi sur des vidéos qu'on avait fait sur YouTube ou des photos et tout ça. Il va utiliser mes images pour publier tout ça. Et je sais que mon compagnon, il n'aime pas trop ce genre de choses parce qu'elle m'avait connu le moment que j'étais dans ce monde de YouTube ou tout ce genre de trucs. Et mon compagnon me demandait ça va et tout. J'ai dit à la personne oui, il n'y a pas de problème, tu peux publier ça. Et je sais que lui, mon compagnon, il n'aime pas, mais je ne le dis pas en fait. Je lui raconte autre chose. Et Ah, il dit d'accord. c'est pas Ok. correct en fait. Il y a des choses comme ça. Ok. Alors, ta quatrième question, c'est quoi? Ma quatrième question, c'est, je suis avec mon compagnon, ça fait 1 an et demi, on essaye d'avoir un enfant, ça n'arrive pas.
et je suis souvent en colère contre lui parce que je dis oui, c'est sa faute et c'est pas ma faute. Le fait qu'aussi on a un projet pour acheter une maison, j'ai attaqué toutes les démarches administratives pour faire tout. Mais dans ma tête, je me dis est-ce que c'est bien et tout? Est-ce qu'il faut pas que je parte parce que j'adore voyager? J'étais à l'étranger pendant 4 ans. Est-ce qu'il faut pas que je parte et tout? J'ai trop de. Je suis pas claire sur ce genre de choses en fait. Voilà. Donc, tu veux acheter une maison, mais en même temps, t'es pas très sûr de vouloir, c'est ça? Oui. Et du coup, ça bloque. Ça bloque, je pense, ouais. Je pense aussi, ça bloque aussi qui fait qu'on n'a pas d'enfant parce que c'est pas clair dans ma tête. Acheter une maison, avoir un enfant et j'ai envie de partir. Parce que mon compagnon, c'est quelqu'un il est très casanière, il aime bien son travail, avoir une vie de famille tranquille. Moi, c'est le contraire. J'aime bien bouger, j'aime bien sortir, j'aime bien le voyage avec un sac à dos. Lui, il aime bien voyager, mais réserver l'hôtel et tout organiser. C'est vraiment deux polarités opposées, quoi. Je peux dire un peu trop sauvage et lui est un peu trop calme dans la réalité, comme il me dit, quoi. Je suis dans la réalité, tout à l'heure. Donc, dans la pression, quelque part, en ayant une maison et un enfant, tu te sentirais coincé, c'est ça? Oui. D'accord, Et bon, on va j'ai voir. ça aussi en plus, ouais. Et je veux Comment? un enfant, une maison aussi au fond de moi, mais c'est pas Tu équilibré. voudrais, mais en même temps, Je veux il y a une part de partir. toi qui bloque, c'est ça? C'est ça. Ok, bon, on verra ça. Allez, ta cinquième question. Ma cinquième question, c'est que suite à le fait que je ne me nourris plus de choses qui sont mises en place, je ressens à moi qu'il faut que je fasse autre chose, arrêter mon travail d'aide-soignante. Mais je ne sais pas trop quoi. J'ai pu observer mon corps, observer tout ce qui se passe autour de moi parce que de temps en temps, j'ai des choses qui descendent. Par exemple, quand je suis au travail avec des collègues, ils me parlent et tout, je ressens des choses, mais je n'ose pas leur dire parce que j'ai dit, en fait, ce n'est pas ma place, ce n'est pas à moi de le dire et tout, je garde pour moi. Mais ça me fait très mal parce que ça m'envahit, en fait. Je n'arrive pas à prendre des distances. Souvent, je les ramène jusqu'à la maison, ça m'envahit et je commence à faire des conversations toute seule. Je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est bien d'arrêter pour faire là, pour aider des personnes? Ou je dois continuer dans mon boulot, mais dans mon boulot salarial, honnêtement, je fais ça pour l'argent, parce que j'ai besoin d'argent pour vivre, pour faire des choses. Mais je ne suis pas épanouie là-dedans. Et la capacité de pouvoir sentir des choses chez les autres, je ne me donne pas l'autorisation de le faire parce que je me dis, est-ce que la personne, comment elle va le prendre? Je suis un peu perdue avec toutes ces choses qui sont présentes à moi. Donc tu te dis que peut-être que ce ressenti pourrait te permettre de faire autre chose comme activité. Oui, c'est ça. D'accord. On verra ça. Très bien. Et si tu avais l'audace de le faire, tu ferais quoi? Je ferai conseil personnalisé. Non, conseil en amour de soi. Conseil en amour de soi. Très bien. C'est ça. Donc là, si tu te sentais dans la capacité, tu le ferais. Oui. Et tu te demandes ce qui t'en empêche. Exactement. Bon, on va voir ça. D'accord. Allez, ta sixième question. Ma sixième question, ça revient aussi par rapport à la maison. Est-ce que cette maison que je vais acheter, parce que c'est une maison très grande, c'est une maison qui a quand même une capacité, il y a 8 chambres en tout, en fait, c'est une maison gîte. Le Ouais. projet, c'est d'acheter cette maison, une côté qu'on habite, et les deux gîtes à le mettre à location. C'est aussi pour proposer de personnes, en fait, quand c'est un amour de soi, qui vient pour pouvoir vivre avec moi, de regarder qu'est-ce que je mets en place pour moi jusqu'à maintenant. Et le faire en même temps avec mon compagnon, ma question, est-ce que franchement, ça, c'est bien pour nous deux, en fait, on peut faire les deux ensemble, parce que monsieur, je pense qu'il y a de l'amour pour nous, mais il y a des choses qui sont pas adéquates, en fait, qui sont pas cohérentes sur des choses. Ma façon de voir les choses est à lui. Je me pose la question, est-ce que la relation, c'est la bonne personne. Ça revient tout le temps à ça. Alors, on ne te fera pas de la voyance, hein, mais Exactement, bon, on verra ce qui se passe au niveau énergétique. Hein? oui.
Voilà. Et d'un autre côté, effectivement, si tu y vas à reculons, c'est sûr que ce n'est pas la manière idéale de co-créer cette maison et ton activité, hein, c'est sûr. Et Non, l'enfant. Hein. pas Bon, du enfin tout. bref, on ne va pas jouer les petits coups thérapeutes. Hein. On va aller voir ce qui se passe sur le plan ésotérique, énergétique et sur d'autres plans. D'accord? Et voir ce D'accord. qui peut se débloquer. Oui. Ok? C'est toi qui décideras de ce qui est bon pour toi et juste. Ça te va Exactement, comme ça? ça me va. C'est pour ça que je suis là, oui. J'ai juste une dernière point qui revient par rapport à ma génitrice et mon géniteur. Ma génitrice, elle me doit des sous que je lui ai prêtés il y a 4 ans quand j'ai décidé de quitter la France. Des sous importants que j'avais mis de côté, que je lui donnais et tout. Au jour d'aujourd'hui, elle ne veut plus me donner. Elle me tient au chantage émotionnel. C'est pour ça aussi, ça fait partie des choses. J'ai pris la décision de tout couper. Mais quand même, j'aimerais bien récupérer mon dû, en fait. Parce que c'est à moi, ça me revient. Ok, tu as son adresse, on va lui envoyer un huissier. Non, je rigole. Je vais le faire, mais je n'ai pas de preuve. C'était fait à la maison, quoi. C'est encore. Il n'y a pas de preuve. Je rigole. Bon, on va voir comment, si voilà ce qui se passe, si ça peut se débloquer. D'accord? Ok, d'accord. Bien, alors au niveau des invités, qui invite-t-on? Alors, À part j'aimerais bien. ton. À part ton futur bébé. Non, je J'aimerais bien habiter les 7 incarnations que j'ai fait l'avortement volontaire, les 7 âmes. Bon, alors ça, c'est pas sûr, hein, parce qu'à mon avis, elles sont parties pour d'autres aventures. Mais bon, on verra. Donc, parmi les incarnés, alors, on invite qui? Ton compagnon, je suppose? Oui, mon compagnon, oui. Oui, accessoirement. Avec les personnes qui me voient du bien. Bon, donc ton compagnon et les personnes qui te veulent du bien, c'est ça que tu as C'est dit? ça, oui. Bon, on va voir ce que ça donne. Tu penses à d'autres personnes ou pas? Non. Bon. Alors, pour les désincarner, est-ce que tu peux en choisir deux? Alors, j'ai une sœur qui est après moi, qui est décédée. D'accord. OK. Et la mère de ma génitrice, qui est décédée aussi. Ta grand-mère. Non, c'est la mère de ma génitrice. Enfin, autrement, généralement, on dit la grand-mère, c'est ça? Oui, généralement, mais si elle était grand-mère, moi, c'est pas du tout ça. La mère de ta génitrice, d'accord. Oui. Bon, parfait. Allez, je te laisse couper le son et on part pour l'aventure. À présent, que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse l'augmenter. 38 900. Donc là, tu montes assez haut. Alors, est-ce que tu te sens suffisamment au-dessus de la situation et hors de portée? Je peux monter encore un peu. Oui, il faut que tu sois confortable et surtout en sécurité et hors d'atteinte. 42 500. Est-ce qu'à 42 500, tu te sens suffisamment au-dessus de la situation et hors d'atteinte et d'influence? Oui. Bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Alors, comme nous sommes hauts tous les deux, on va renforcer l'ancrage pour créer l'équilibre, toi et moi. C'est bon. Bien. Connecte-toi sur Natacha et dis-moi comment tu l'aperçois. Elle est entourée d'une sorte de vitre, comme une sorte de vitre d'observation. C'est-à-dire qu'elle est
Il y a un regard qui l'observe derrière cette vitre. Elle est toujours en observation, comme si c'était une sorte de cobaye ou quelque chose comme ça, qui est en observation constante. Et cette vitre, elle est multifréquentielle, c'est-à-dire qu'elle peut modifier ses fréquences et s'ajuster aux siennes de fréquences. Donc c'est mouvant, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui vient s'adapter à elle en permanence. Comme si cette vitre avait une sorte de forme de conscience primaire. Cette vitre-là, ça vient la bloquer et ça vient modifier aussi ses perceptions sensorielles, extrasensorielles. Ça vient la couper aussi de sa connexion terre-ciel. Ça l'oblige à faire des efforts, ça oblige l'élémental de son corps physique à faire des efforts pour avoir une connexion terre-ciel stable et efficace. Donc elle est toujours là, dans cette sorte de bulle, isolée par cette structure-là. En même temps, à l'intérieur de cette structure et dans laquelle elle se trouve, il règne une atmosphère particulière qui vient, c'est comme une sorte de liant, ça vient stabiliser ses énergies. C'est comme si ces énergies étaient réglées artificiellement de l'extérieur pour la maintenir dans les fréquences désirées, dans un état d'être énergétique désiré. Ça a pour conséquence que sa conscience se sent mal avec cette situation-là, se sent décalé par rapport à cette physicalité et par rapport à cette incarnation. Donc sa conscience, elle est pas toujours dans le corps. Quelquefois, elle sort, elle s'observe de l'extérieur. Il y a une sorte de flottement, de malaise, d'anxiété, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, elle revient de nouveau dans son corps. Donc ça crée un état de déséquilibre énergétique permanent. Au niveau de sa tête, il y a une sorte de système GPS là, qui est au niveau de la glande pinéale, juste à côté. Ça sert à la suivre d'incarnation en incarnation. Ça lui crée des problèmes aussi? De brouillage de perception. Et ça vient créer des brouillages aussi dans les fonctions de son corps. C'est-à-dire que toutes les informations biologiques, elles sont toujours un peu décalées, brouillées, et ça oblige l'élémental de son corps à se restabiliser sans arrêt, en permanence. Ok. Disséminé dans toute sa partie physique, mais aussi dans ses corps subtils, il y a des sortes de... C'est comme une sorte de poussière intelligente, comme de multitudes particules intelligentes qui sont là comme des systèmes d'enregistrement de toutes les fonctions de sa biologie, mais pas seulement de sa biologie, ça va au-delà, ça va aussi sur le corps vital, émotionnel et mental, ça enregistre aussi tous ces paramètres-là. C'est comme une sorte de brouillard qui crée des brouillages. Ça empêche sa physicalité de fonctionner correctement. Ok. Et en plus de ça, il y a une sorte de... Là, c'est directement posé sur le corps vital. Il y a une sorte de filet qui vient englober tout son... Ça prend la forme de son corps, en fait. Et il y a deux autres filets qui sont eux plus denses, un qui est autour de la tête, ça vient enserrer la tête, et un autre qui est
autour de son bassin, de toute sa partie basse. Ça vient enserrer toute la fonction reproduction. Mmh. Ok. Et il y a aussi une sorte d'accroche au niveau du chakra racine. Cette accroche-là, c'est comme une sorte de cordon. Et au travers ce cordon passe, c'est comme des sortes d'informations. C'est de la peur qui passe là. Comment expliquer ça? C'est des informations de programmation qui passent par là. Okay. Et c'est l'objectif, c'est de la maintenir dans un état d'être particulier et de la limiter. De la maintenir là, bloquée, limitée, et dans une zone de fréquence donnée, plutôt basse. Ok. Directement sur elle, c'est tout. C'est déjà pas mal. Bien. Alors, qui est derrière tout ça? Le regard là, en arrière-plan de cette vitre, c'est insectoïde et c'est des mantes. Bon, je m'en doutais. Ok. Bien. Combien est-ce que tu en vois? Il y en a quatre. Les quatre mantes. C'est quoi leurs objectifs alors? Elles considèrent qu'elle leur appartient. Elle est leur objet d'expérimentation sur le plan 3D. Elle est importante pour elle parce qu'elle fait l'objet de tests, d'une expérience dans la physicalité 3D. Il y a une partie de son ADN qui a été modifiée. C'est cette expérience-là en cours qui est observée. Comment est-ce que la partie physique se stabilise ainsi que les parties subtiles avec cette modification-là? Quel pourcentage d'ADN modifié? 4,5%. Ah oui, quand même. Ok. Et donc, c'est dans quel but qu'elles font tous ces essais, tous ces tests, ces études? De créer de nouveaux êtres, de nouvelles formes de vie, de nouvelles formes de physicalité, ayant toujours une base humanoïde, humaine, c'est-à-dire qui se tient debout, bipède, mais qui ne soit pas imprévisible comme peuvent l'être les êtres humains. Tu veux dire facilement contrôlable et formatable, quoi? Oui. Corvéable à merci? Oui. Bien. Depuis combien de temps est-ce qu'elles sont avec elle la toute première fois? C'est depuis 8 incarnations. 8 incarnations? Oui. Comment ça s'est fait la toute première fois? On y va. 1, 2, 3. Elles se sont présentées à elle au moment d'une naissance, quand elle est venue au monde. Une naissance difficile, une sensation d'étouffement, de mal-être. Ces entités-là se sont présentées là et lui ont proposé de la suivre. Et dès qu'elle a accepté, c'est devenu beaucoup plus fluide, libre et facile. Sauf qu'elle s'est retrouvée désincarnée, c'est-à-dire sortie du plan physique. D'accord. Ok. Juste à la naissance, elle s'est désincarnée, c'est ça? Oui. D'accord. Et ensuite?
À partir de ce moment-là, elles sont restées avec elle. Elle est sous leur contrôle depuis ce moment-là. De quelle manière elle les a vues ? Elle en a perçu deux, comme deux sortes de, on va dire, figures féminines, protectrices et bienveillantes, lumineuses, très lumineuses. Et en arrière-plan de ces deux premières-là, deux autres, comme des aides des premières. Bien, alors je suppose que toutes ces parties, donc, c'est pas, ils prennent connaissance et conscience de comment elles se sont fait avoir. Oui. Voilà, ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Bien. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation du soi supérieur ? Dans cette boucle-là, 33. 33 vies humaines. Bien. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Constellation du Capricorne. Elle est là sur une planète en cinquième dimension. C'est lisse. C'est-à-dire que c'est comme juste une sorte de base où tout est fluide. Il ne se passe rien vraiment sur cette planète-là. C'est une base de départ de voyage. C'est comme une sorte de halte qui, comme une sorte de station, de pause, de halte, qui permet de se recharger en énergie et d'avoir des informations sur les routes stellaires. C'est-à-dire que là, c'est une étape, alors. Oui, c'est une étape. Donc, avant d'entrer dans la constellation du Capricorne sur cette planète, elle venait d'où ? Mais elle est restée longtemps sur cette étape-là parce que c'est une sorte de croisement et aussi de lieu d'observation. Donc, elle y est restée longtemps pour observer, longtemps avant de se décider. Et avant ça avant... Oui, c'est un lieu d'observation de notre univers. Avant, elle vient d'un autre univers, un univers parallèle. Elle est passée par le centre, une sorte de trou noir central. Et elle s'est retrouvée projetée comme éjectée dans notre univers sans repère, sans savoir où se diriger. Jusqu'au moment où elle a trouvé cette plateforme-là qui lui a permis de se poser pendant un moment pour observer et décider où est-ce qu'elle voulait aller. Elle s'appelle comment cette planète sur laquelle elle a donc séjourné ? Naïmos. Naïmos ? N-A-I-M-O-S. D'accord, en cinquième dimension. Elle ressemble à quoi, cette planète ? Tu me dis qu'il ne s'est passé rien, mais il y a de la végétation, il y a une vie animale, il y a des structures, des bâtiments ou autres ? Non, en surface, il n'y a rien. Tout est lisse. C'est même pas un paysage stérile ou aride ou quelque chose comme ça, c'est lisse. C'est parcouru uniquement d'ondes d'énergie. Les structures, elles, se trouvent, les structures organisées, se trouvent à l'intérieur, en dessous de la surface. Et quelle forme tu lui vois ? Elle ressemble à quoi dans cette forme ? Elle est humanoïde, mais il n'y a pas de polarité masculine ou féminine. Androgyne.
C'est comme une sorte d'état d'être neutre, parce qu'il n'y a pas de décision prise d'aller vers une polarité ou une autre. D'accord. Et c'est quoi ces occupations au sein de cette planète, ces centres d'intérêt? C'est l'étude de l'observation. C'est comme si elle établissait sa carte routière, ou plusieurs. C'est le lieu où elle élabore les chemins et les directions qu'elle envisage de prendre par la suite. D'accord. C'est aussi comme une sorte de lieu ressource, de bibliothèque, quelque chose comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle se retrouve en incarnation? Elle reste là pendant un certain temps, plutôt long, jusqu'à ce qu'elle finisse avec tous ses, on va dire, bagages et ses connaissances acquises sur ce lieu-là. Elle décide de partir. Et là où elle part, c'est en direction de la Terre. C'est comme si c'était le tout premier projet qui était apparu. Et c'est celui qu'elle met en œuvre en priorité. La direction, d'accord, direction Terre. Ok. C'est varié. Beaucoup de possibilités d'expérimentation. C'est bariolé, riche, intéressant et attirant. D'accord. Donc c'est là qu'elle se dirige en premier. Et dans sa Merkaba? Oui, elle se déplace dans sa Merkaba individuelle. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? Elle se dirige droit sur la Terre. Elle passe la frontière, mais il y en a plusieurs. Elle passe les frontières de la matrice artificielle. Et à chaque frontière passée, il y a des pans de mémoire qui sautent, qui tombent. Elle se retrouve dans les roues d'incarnation humaine. Ok. Avec une perte de sens, bien sûr, je suppose. Oui. Ouais. Perte bien. De mémoire de pourquoi elle est là, de pourquoi ouais, elle du sens là. De son identité, on voit tout ça quoi. Ouais. Ok, alors reviens ici maintenant. Oui. Si tu la scannes, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra? Pas pour l'instant. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, à part ses 4,5% qui sont trafiqués. C'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Alors, puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors, à part ces mondes, qui vois-tu d'autre? Il y a des grilles, des petits grilles qui sont là en soutien, en aide. Oui. Ils sont là en aide, c'est ça, ils sont là en aide et surveillance comme intermédiaire entre le plan humain et ces entités-là, les montes. Eux passent les frontières énergétiques. Qui d'autre? Sans être impactés. Il y a des entités démoniaques qui sont là, présentes, parce que en fait c'est elles qui se trouvent dans leur bande de fréquence. Donc elles sont là, elles entrent et elles sortent de son espace énergétique. Ensuite, elles sont là comme des ombres au-dessus d'elles et autour d'elles. Qu'est-ce qu'elle lui cause comme problème, celle-là? Des sensations de mal-être, d'anxiété, de décalage.
de solitude, mais de mal-être surtout. Une sorte d'angoisse diffuse. Bien. Ensuite. Il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Est-ce que tu as des parasites à l'intérieur, sur ou autour d'elle? Non. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel. Et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque, tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle se place dans une bulle classique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur du Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend de l'énergie, prend de la vitalité, se restructure et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Natacha à présent ? C'est beaucoup plus stable et léger à présent dans son espace énergétique, plus clair aussi. Bien, comment réagissent ces entités? Il y a des déploiements, ça ressemble à des sortes de paravents énergétiques occultants. Alors, on va tout bloquer. On bloque tout et tous. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, je t'invite à revenir en arrière. Tu te positionnes juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose. Oui. Tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. Sur tous les plans. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà, vérifie maintenant si elles ont des moyens de la retrouver dans les passés, présents, futurs, sur d'autres plans, d'autres lignes de temps ou autres. Oui, dans d'autres lignes de temps, celles où elles ont accès, elles, il y en a combien 9. Combien ? 9. 9. Et au sein de chacune, dans combien de dimensions ? 3. Bien. Tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3, sous tous les plans. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. À présent, vérifie si elles ont encore un moyen de la repérer et de la retrouver. Non. Moi, je regarde, mais non. Tout est coupé. Plus rien. Non. Tout est coupé. Parfait. Bien. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel, en observation. Comment est-ce que tu vois son âme ? C'est comme si elle était dispersée. Elle a du mal à trouver son unité. Elle est dans une sorte d'état d'anxiété. Et sa partie subliminale ? Elle est déconnectée en grande partie de la partie physique. Elle est loin en arrière-plan. On va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morontiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf
avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre et une harmonie parfaite, et à l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons en mode dépassement. Non, nous y allons directement. 1, 2, 3. Oui. Voilà, de cet espace morancel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Natacha pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie parfaite et à l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Natacha. Pouvoir se poser tranquillement dans l'incarnation terrestre, humaine en 3D, pour pouvoir expérimenter en toute liberté, clarté, et liberté aussi, ouverture de ses champs d'action. Expérimenter les différentes facettes de l'incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là, à la source? 98%. Donc elle remonte à 100%. Oui. À présent, elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. J'ai envie que tu me dises donc les anomalies que tu y vois. Il y a quelque chose de cristallisé. C'est comme si les fréquences de l'arbre étaient cristallisées pour rester dans une bande de fréquences donnée. Oui. C'est une sorte de prison fréquentielle. Ça crée quoi comme problème aux consciences qui sont accrochées? Ça vient garder emprisonner les consciences qui sont rattachées, ça vient les séparer les unes des autres. Chaque conscience dans sa cellule fréquentielle individuelle. Comment est-ce que ça impacte spécifiquement Natacha? Solitude. Détachée, c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas rattachée à l'arbre du fait de cette situation-là, d'être dans cette cellule fréquentielle individuelle, coupée de la lignée, coupée des autres consciences. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière, là? 43. 43 générations. Je suppose que ce sont les mantes qui gèrent les incarnations de Natacha. Oui. Bien. Elle l'influence ou elle la force? C'est présenté comme une obligation. C'est le chemin imposé. D'accord. Donc, à 43 générations en arrière, que se passe-t-il? Il y a le déploiement de ce type de fréquences qui viennent se cristalliser là, autour de la structure de l'arbre, au sortir des roues d'incarnation. L'origine en est démoniaque. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et n'a encore opéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait se produire si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante qui vient le dégager
des zones de fréquence de ces entités-là. Il n'est plus perceptible maintenant. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? L'énergie recommence à circuler de façon fluide et pétillante entre les consciences qui sont rattachées à l'arbre. Comment est-ce que ça impacte donc Natacha? Une sensation de libération, sensation qu'un voile pesant se dissipe, est tombé, s'est dissipé. Bien. Est-ce que tu peux inviter Natacha à envoyer, à créer des canaux de communication entre toutes les consciences, par le cœur et l'ouverture de conscience? Oui. Et dans un esprit de résolution? Oui. Allons-y. C'est fait. Voilà. Donc, elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire à présent avec lui? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 38% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. À présent, on va s'occuper de son ADN. Alors, est-ce que tu vois qu'il est adéquat d'éliminer ces 4,5%? Pour les adapter d'abord. Ouais. Donc, allons-y. Qu'elle crée des adaptations sur tous les plans. C'est fait. D'abord, ça veut dire que maintenant, on peut les éliminer? Maintenant, oui. Une fois adaptés, on peut les éliminer? Oui. D'accord. Alors, on les élimine avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et ultra-connu. 1, 2, 3. Oui. Et elle les remplace avec sa propre essence? Oui. Voilà. Maintenant, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien comptes-tu d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 6 de connectées et 4 d'activées. Elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. C'est des programmes de réorganisation, de stabilisation et de renforcement de sa base énergétique. C'est fait. Bien, à présent, on va s'occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expansion, la manifestation, les perceptions humaines de toutes ces autres parties et de sa conscience, est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, on élimine tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Voilà. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà. Et maintenant, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source?
79%. Donc elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et bien sûr, concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, échos, résonances, réminiscences, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Voilà. Et donc, c'est ce que j'appelle concrétiser. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et je vais conseiller à Natacha d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite bien sûr les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. En cas où, je vais répéter ce qui a été dit. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. On procède à l'élimination de toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Les mentes n'ont rien sauvegardé? Cherche. Je suis sûr qu'elles les ont planquées. Pas qu'ils soient utilisables. Ah non, non, mais même l'inutilisable, il faut quand même le trouver et on le détruit quand même. Tu en vois? Oui, il y a des parcelles qui portent sa signature énergétique, mais c'est dispersé, c'est inutilisable et
C'est parfois tronqué et abîmé. Alors, ce n'est pas grave, par précaution, on élimine tout quand même, d'accord? Sur tous les plans. 1, 2, 3. Voilà. Oui. Voilà, je veux qu'il ne reste rien, même pas des déchets. Il n'y a plus rien? Non. Alors, nous intégrons tout ça dans les différents états de conscience. Oui. Maintenant, elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation et association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Natacha, tout y est proposé, elle fera elle-même le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances. Pardon. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, d'équilibre, d'abondance, de créativité, d'amour, etc., etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre. Oui. Voilà. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon
à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie à présent s'il reste quelques marquages ou traçages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nuisible à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui.
un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Et un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Qu'ils soient en même temps adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. Et concrétisé. Oui. À présent, nous allons travailler sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3, sur chacune des parties. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante, orangée et dorée, qui s'expanse, qui monte en puissance, qui vient englober tout son espace physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Là, elle vient déplacer doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui passe tout le long de la colonne vertébrale, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, ici de sa propre source jusqu'au chakra coronal. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes, immunitaire et hormonal. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation et élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer.
Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. Et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ces organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se trouver dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est bon. Micro-kiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est bon. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences, cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà. À présent, nous allons travailler le système des chakras et des glandes associées. Que tout d'abord, chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Donc chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Une A7 activée. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras qui sont les mémoires de souffrance. Je te laisse les rassembler et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. En vois-tu d'autres? Quelques-uns derrière. Idem. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Bien, maintenant, on va s'occuper des programmes de vieillissement au sein de l'ADN, des cellules, des organes et de la biologie. Donc, nous allons simplement inverser les programmes pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération suivant la loi de l'inversion. C'est fait. Bien. Alors, stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et bien sûr, concrétise. Oui, c'est fait. À présent, nous équilibrons et harmonisons les 5 éléments. On commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. On va stabiliser, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Elle rééquilibre les polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Oui. Alors, depuis sa naissance, donc les choses ne vont pas du tout, même depuis avant, hein, puisque physiquement, elle est née avec un rein en moins.
sa génitrice a été, celle qu'elle appelle sa génitrice, a été alitée à partir de 4 mois, etc. A rien en moins, des collectes néphrétiques, enfin tous les désordres physiques qu'elle a évoqués. Donc, pour sa compréhension, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les modifications de l'ADN qui en sont la cause. Et c'est ce que sa mère a eu du mal à supporter pendant la gestation. D'accord. Est-ce que sa mère, elle aussi, elle a ce même genre de prédation ou pas? Non. Non, hein? D'accord. Ok. Alors, maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce qui reste de tout ça? On a supprimé l'ADN, il a été refait à neuf. Il en reste des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Des habitudes de fonctionnement aussi, de réaction, d'adaptation de l'élémental du corps physique avec les programmations associées. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler tout le système rénal et en même temps les systèmes d'élimination et la matrice, donc son système matriciel. Tu es d'accord avec ça? Oui. Bien. Donc, fais le tour de tout ce qu'il y a à éliminer pour tout ça et tu me dis quand c'est bon. Qu'est-ce que tu vois? Il y a des déséquilibres, des dissociations, des déséquilibres entre chacun des systèmes et dans le fonctionnement de chacun d'entre eux. Qu'est-ce que tu vois qui est éliminé alors? Des mémoires et empreintes traumatiques avec écho et résonance. Et puis aussi des habitudes de fonctionnement d'élémental du corps physique avec les programmations associées. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. Harmonisé. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais que tu regardes spécifiquement son rein, puisqu'il n'en a qu'un seul. Comment est-ce que tu le vois? Il est en suractivité. Alors, il y a une déperdition d'énergie qui est là. Quelle solution on peut y apporter à ça? Y apporter une énergie d'équilibre. Et de réinformation aussi. Ok, alors allons-y. On réinforme et on rééquilibre. C'est fait. On peut lui faire un apport d'énergie et vitalité? Oui. Allons-y. C'est fait. Resynchroniser? Oui. C'est fait. Et réaligner et retisser? Oui. C'est bon. Harmonise. Oui. C'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà. Donc, si tu regardes son rein maintenant, comment tu le vois? Étant unique, est-ce qu'il peut faire le travail des deux tout en étant efficace et en harmonie? Oui, parce qu'il y a eu réinformation et réorganisation de ces énergies. Bien. Alors, en ce qui concerne les coliques néphrétiques, est-ce que tu vois que ça se règle avec ou tu vois une intervention spécifique à faire? Et il reste quelque chose de dissonant là. Il faut y faire un apport d'énergie vitale spécifique. Ok. Dans le dissonant, est-ce que tu vois une chose à éliminer particulièrement? Oui, c'est des mémoires traumatiques avec empreinte, écho et résonance. Alors, on élimine tous les plans. 1, 2, 3, jusqu'aux réminiscences. Oui. Donc là, on va reconnecter et réinformer. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibrer et synchroniser. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. Harmoniser l'ensemble. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu vois maintenant tout ça?
fluide, apaisé et tranquille. Bien. Le fait qu'il manque de fer dans son sang, d'où est-ce que ça vient? C'est une conséquence de la modification d'ADN. C'est l'élémental du corps qui a du mal à se stabiliser et à fonctionner correctement. Bien. On va regarder son système endocrinien, immunitaire et hormonal. Comment les vois-tu? Il y a des déséquilibres et des désynchronisations dans la structure de chacun des systèmes et entre les systèmes eux-mêmes. Bien, qu'est-ce que tu vois qui a éliminé? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance. Il y a aussi des habitudes de fonctionnement de l'élémental du corps physique avec les programmations associées. Alors, on élimine tous sur les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Et que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Après avoir tout harmonisé. Et concrétise. Oui. Voilà, on va regarder maintenant sa glande pinéale qui produit la fameuse valentonine qui est responsable de tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises à quel pourcentage tu vois qu'elle est produite ici et maintenant. 43%. Donc tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà. Maintenant, on va revenir à la production de fer. Donc, regarde toutes les parties responsables de sa production. Oui. Voilà. Comment les vois-tu? Il y a de la réinformation à faire, du rééquilibrage et un apport d'énergie vitale. Alors, allons-y. On réinforme. On rééquilibre. Oui. Apport d'énergie vitale. Oui. Il y a des reconnexions à faire ou pas? Oui. Alors, allons-y. C'est fait. Donc, du coup, synchronisé. Oui. Réaligné. Oui. Retissé. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise pour que ça se mette rapidement dans la physicalité. Oui. Comment est-ce que tu vois maintenant sa production de fer? C'est stabilisé. C'est fluide maintenant. Tout fonctionne correctement. Parfait. Alors, au niveau des infections urinaires, donc elle a un urètre qui est dilaté sur la gauche et des infections urinaires. Est-ce que tu vois que c'est réglé avec ce qu'on a fait ou tu vois d'autres choses à faire? Bon, ça a été réglé, mais il reste un équilibre à mettre en place entre les... entre les urètres. Allons-y. C'est fait. Tu vois autre chose à faire? Un apport d'énergie vitale spécifique. Allons-y. C'est fait. Et là, est-ce que tu vois autre chose? Non, là, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, le système, on va faire son système neuronal, nerveux central, ORL, visuel et respiratoire. Là aussi, il y a des dissociations et des déséquilibres entre les systèmes et dans chacun d'entre eux. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Et puis, des habitudes de fonctionnement avec les programmations associées. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà, que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Harmoniser l'ensemble. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Ah oui, et puis regarde l'équilibre des cerveaux, des deux cerveaux. Il y a quelques ajustements restant à finaliser.
Allons-y. C'est fait. Au niveau neuronal, est-ce que tu vois des reconnexions à faire? Oui. Allons-y également. C'est fait. Voilà. Maintenant, tu stabilises, sécurises, pérennises. Oui. Et concrétises. Oui. On va regarder à présent ces systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques, énergétiques. Comment les vois-tu? Des déséquilibres là aussi. Pas suffisamment d'énergie passante. Il y a des baisses d'énergie dans la circulation. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Et puis aussi des programmations de fonctionnement erronées qui sont là avec les habitudes de l'élémental. Donc on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Allez, que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Et réaligné, eurotisé ce que doit l'être. Oui. Harmonisé. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà. Et puis, on va faire aussi le système digestif et métabolique. Comment les vois-tu? L'énergie n'y circule pas comme elle devrait y circuler. Parfois, c'est trop vide et parfois, c'est trop plein. Il y a des irrégularités. Que vois-tu qu'il y a à éliminer? Des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance. Et aussi des programmations erronées de l'élémental du corps physique. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et rotissé. Oui. Harmonisé. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, fibrome ovarien. Donc, on a travaillé sur le système matriciel, en particulier sur les ovaires. Comment tu les vois maintenant, ces ovaires? Ils restent comme des sortes de traces énergétiques sombres, mais surtout le système matriciel. Ok. Il y a des accumulations d'énergie, mais c'est lourd et sombre. Qu'est-ce que tu vois à éliminer là? Là, il y a ces traces-là énergétiques-là. Et puis, il y a aussi des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Hein, et des habitudes de fonctionnement de l'élémental du corps hein, avec les programmations associées. Alors, on élimine tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Et là, que chacune des parties soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et rotissé ce qui doit l'être. Oui. Harmonisé. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà, comment est-ce que tu vois maintenant donc ses ovaires et en général son système matriciel? C'est fluide, l'énergie circule correctement maintenant. Ok. Est-ce que tu vois des raisons pour que pour qu'elle puisse ne pas avoir d'enfant? Okay. Est-ce que tu vois des blocages ou pas? Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Très bien. Tout est fluide, ça circule bien? Oui. Bien. Alors, donc, elle a eu 7 interruptions de grossesse. Voilà. Est-ce que tu vois qu'il y a eu des conséquences pour elle? Pour elle, oui, parce qu'il y a des mémoires traumatiques qui sont rattachées, mais qui sont là, toujours là, présentes, flottantes autour d'elle.
Très bien. Tu vois d'autres choses ou pas? Non. Alors, on élimine tous les plans. 1, 2, 3, jusqu'aux réminiscences. Oui. Voilà. Donc, ces interruptions de grossesse, elles ont été provoquées, non? Est-ce que l'aimante a eu voir quelque chose ou pas? Oui, c'était une interdiction d'accès à la maternité. Voilà. Hein. OK. Et quand elle dit qu'elle ressent la présence des âmes, des interruptions qui ont eu lieu, qu'est-ce que tu vois? C'est les mémoires. C'est les mémoires. Donc, elles sont devenues quoi, toutes ces âmes? Elles sont reparties dans les roues d'incarnation. Voilà, c'était important qu'elles l'entendent. Très bien, donc il n'y a plus de mémoire, on est d'accord? Non. Bien. Alors, au niveau de ces règles, donc... est-ce qu'on peut faire une pause, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, OK. Voilà, donc nous en étions à C1. Alors, donc ces lunes sont courtes, elles ne durent que 3 jours, elles ne sont pas abondantes, sombres et douloureuses. Qu'est-ce qui se passe? C'est lié directement à la modification d'une partie de son ADN et toujours au système de blocage de son système, du fonctionnement de son système matriciel par les mantes. Bien, donc avec tout ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à éliminer là? Il en reste des mémoires traumatiques avec empreintes, écho et résonance, et puis des programmations aussi erronées de l'élémental du corps physique. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et donc je suppose qu'il y a besoin de reconnecter, de réinformer. Oui. Allons-y. C'est fait. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Et réaligner et retisser. Oui. Harmoniser l'ensemble. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà, regarde maintenant tous ces systèmes en lien avec les cycles menstruels. Comment les vois-tu? C'est équilibré et fluide maintenant. Le fonctionnement est équilibré. Parfait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a la peau sèche et par conséquent aussi des cheveux cassés, secs, qu'elle a perdu? Est-ce que c'est en lien ou pas? C'est en lien avec la modification d'une partie de son ADN, ouais. Qui fait que l'énergie ne circule pas correctement à la surface du corps. Donc aussi bien au niveau de la tête. C'est pas suffisamment alimenté en énergie, d'où le fait que ce soit desséché. Je suppose que c'est pareil pour les ongles. Oui. Ah, c'est la même chose. Ongles, peau et cheveux. Alors, qu'est-ce que tu vois qui a éliminé là? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, et puis des programmations inadaptées. Alors, on élimine tout sur tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties concernées et l'ensemble soit reconnecté et réinformé. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Harmonisation générale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà. Maintenant, regarde au niveau de la peau, des cheveux, des ongles. Est-ce que il y a besoin d'intervention spécifique ou pas? On peut remettre des cellules souches, par exemple pour les cheveux. Oui. Allons-y. État rose d'eau primordiale. C'est fait. Pour la peau sèche, est-ce que tu vois que ça se résorbe? Il y a besoin de stimuler les glandes ou pas? Oui. Allons-y. C'est fait. Et pour les ongles? La même chose. Allons-y. Oui. Voilà. J'aimerais que tu regardes au niveau de ses cheveux donc qui sont cassés, secs, qu'elle a perdu en 5 mois, donc depuis qu'elle a reçu ce soin avec les tresses de protection et le produit qui lui ont été mis. Est-ce que ça a à voir quelque chose ou pas?
C'est comme si ce n'était pas adapté complètement à sa biologie du fait de sa modification d'ADN. Les composants du produit étaient trop forts pour elle. Alors simplement regarde s'il en reste quelque chose de ces produits. Oui, il en reste des traces énergétiques. Bon, alors il faut qu'on les élimine sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Il en reste quelque chose? Non, là, il n'y a plus rien. Bien, alors que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. Oui. Et bien sûr, concrétisé. Oui. Voilà, donc les ongles, c'est fait, le fer, c'est fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait ce syndrome d'infériorité? Voilà. Donc, elle est à la honte, elle est gênée de sa voix. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle éprouve ce sentiment de honte, d'infériorité? C'est lié directement à sa situation d'interférence, pour la maintenir dans une bande de fréquence où elle se sente bloquée, décalée, à part et inadaptée. Est-ce qu'il en reste quelque chose de ça? Oui, des mémoires traumatiques qui restent avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Et là, pour faire plus rapide et plus efficace, elle va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Oui. Elle active tous les ressentis, sensations, émotions, sentiments, perceptions. Oui. Et elle peut sentir son sentiment, sa sensation de complétude. Oui. De paix intérieure. Oui. Et surtout de dignité et de légitimité. Oui. Le sentiment de ses propres capacités illimitées. Oui. Elle peut ressentir maintenant tout cela en elle. Oui. Et cette puissance, confiance en elle-même. Oui. Comment la vois-tu à présent? Apaisée et tranquille. Libérée. Bien. Alors, quand elle se met en présence d'un examen où on parle de diplôme, etc., comment se sent-elle? Neutre. Ça n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation par rapport à l'ancienne? Une sensation de liberté intérieure, de satisfaction, de bien-être. Et le plaisir aussi de se ressentir dans ce nouvel état d'être. Qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le ramène ici et maintenant dans toutes ses parties d'elle, comme un téléchargement. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN jusqu'à son âme. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui fait qu'elle est très colérique? Voilà, donc elle en veut à sa génitrice, à sa famille en général. Hein. C'est quelque chose de... C'est comme une sorte de programmation automatique qui a été insérée en elle. De façon artificielle, hein, toujours pour... la maintenir dans des basses fréquences, toujours pour la garder sous contrôle. Bien. Est-ce qu'il en reste quelque chose de ça? Oui, des habitudes de fonctionnement avec les programmations associées de l'élémental du corps physique. Et au niveau émotionnel, cette Et colère? Il en reste des traces douloureuses et brûlantes. D'accord. Je t'ai coupé. Tu voulais dire autre chose? Oui, ça a laissé des traumatismes dans le corps émotionnel. Voilà. Donc, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Et là, pareil, hein, toujours en contact avec la source par son attention et l'attention. Oui. Elle peut ressentir ce sentiment de complétude, de paix, de tranquillité. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu la vois maintenant face à sa famille, à sa mère? Comment voit-elle la situation? Comment la ressent-elle?
Quelle est sa perception? C'est neutre maintenant. Il y a plus point de blocage, cette zone de blocage. Il n'y a plus ce mur. C'est fluide, c'est neutre. Elle regarde la situation de par-dessus, dans des fréquences plus légères, avec bienveillance et compréhension. Parfait. Alors, comme il y a un problème avec sa génitrice par rapport à de l'argent qu'elle lui doit, qu'elle aimerait récupérer, est-ce que tu vois qu'il y aurait, il serait bon pour elle que elle invite sa famille, donc qu'elle les invite pour leur proposer le même travail qu'elle, pour aider à débloquer les situations. Oui. Est-ce que tu vois que c'est souhaitable et productif pour tout le monde? C'est souhaitable, mais ça ne sera pas forcément productif pour toutes les consciences. D'accord. Donc, c'est souhaitable. Parce qu'il y a des systèmes d'interférence. Donc, d'une part, il y a la programmation de la lignée. Bon, ça, il n'y a plus. Mais en plus de ça, il y a des systèmes d'interférence. Oui. Autres que le sien, qui viennent enfermer et bloquer les consciences. D'accord. Alors, je vais poser la question quand même à Natacha. Tu me dis oui ou non. Est-ce qu'on les inclut dans les invitations? Non. D'accord, très bien. Donc, on ne discute pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle éprouve une colère contre son compagnon? Donc, ils n'ont pas d'enfant, bien sûr. Elle veut acheter une maison. Enfin, ils ont le projet d'acheter une maison, etc. Et bon, elle est en dualité par rapport à ça, d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe alors avec son compagnon et dans ses atermoiements? C'est comme s'ils n'étaient pas sur. Ils sont là dans une forme de complémentarité, mais pas sur la même ligne, pas sur la même longueur d'onde. Mmh. Il y a un décalage entre eux. Donc, qui, à la fois, comme une balance, vient faire un équilibre, mais cet équilibre-là ne peut pas. Pas se mettre en place dans tous les domaines. Est-ce que ce décalage, en ce qui la concerne, c'était dû aux interférences ou ça vient d'autre chose? C'était une façon de compenser les interférences. Ce choix de compagnon-là. Ah. D'accord. Ok. Bon, de toute façon, il sera invité, hein, et puis s'il le veut, il pourra faire le travail, et puis chacun verra donc par rapport à l'achat de la maison et de se projeter à les enfants. Est-ce que qu'en pensent ces autres parties à Natacha? Est-ce que c'est adéquat pour elle ou pas? Il y a les portes d'une prison qui se ferment. C'est symbolique, mais c'est ce qui vient. Mmh. C'est comme ça qu'elle le perçoit. C'est comme ça que l'image arrive, oui, venant de sa partie subliminale. D'accord, ok. Bon, écoute, elle a les informations. Elle en fera ce qu'elle en veut. Bien. Au niveau de son activité professionnelle, donc elle sent qu'elle devrait arrêter cette activité. Voilà, elle ressent des choses, elle ressent ses collègues, leurs énergies, elle sent plein de trucs qu'elle ne peut pas leur dire. Quels sont les conseils que peuvent lui donner ses autres parties? C'est lâcher prise. Hein. Il y a des énergies qui sont en mouvement. Et pour que les nouvelles énergies se mettent en place correctement, elle doit lâcher prise. Ce qui veut dire qu'en temps voulu, alors les sensations, les perceptions, les synchronicités, les intuitions. Oui.
Elle sentira et elle saura ce qui est bon et juste pour elle, c'est ça? Oui, et ça viendra naturellement. Voilà, sans forcer, en ayant confiance. Oui. Laissant faire les choses. Oui. En toute tranquillité. Oui. Parfait. Autrement, est-ce que tu vois des choses qui bloqueraient encore quelque part ou pas? Non, il n'y a plus rien. Très bien. Ok. Donc, autrement, cette grande maison, ça c'est sa dernière question. Cette grande maison qui pourrait être un gîte, qui pourrait aussi permettre de faire son activité. Donc, elle demande si c'est bien pour eux deux. C'est la suite naturelle de la question précédente. Eh oui. Donc, il n'y a rien de plus à ajouter. Bien sûr. Voilà. Mais comme c'était sa question, il ne fallait pas l'oublier. Parfait. Donc, j'aimerais que tu regardes son corps mental et que tu vois les programmations limitantes que tu y trouves. Il y a quelque chose de glacé et de bloquant dans le corps mental. C'est des programmations qui sont là, comme des sortes de voiles transparents et rigides en même temps, glacés. C'est limitant. Ça vient abaisser ses fréquences. Et ça apporte une sorte de rigidité sur le plan mental, sur le plan émotionnel aussi. Quelque chose de cassant et de limitant. Bien. Quelles sont les croyances limitantes qu'elle a développées à partir de ça? Elle n'a ni les connaissances, ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations-là. Quand on pense à toutes ces autres parties à présent sous cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré. Maintenant qu'elle est reliée à sa propre puissance intérieure et de là où, du point d'observation, de la nouvelle perspective où elle se trouve maintenant, elle s'aperçoit de la nature de ces programmations-là, elle s'aperçoit qu'elles sont agissantes uniquement dans une bande de basse fréquence, mais qu'elle maintenant est libre de se déplacer dans toutes les fréquences qu'elle veut, hautes ou basses, qu'elle peut aller bien au-delà de ces programmations et que même elle peut les dégager de sa réalité. Bien, c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Que reste-t-il de tout ça? Il reste des habitudes de fonctionnement avec les programmations associées et puis des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et avant de continuer sur son corps émotionnel, j'aimerais que tu regardes, il y a un point quand même que j'ai pas abordé vraiment, c'est par rapport à l'argent que lui doit donc celle qu'elle appelle sa génitrice. Est-ce que tu vois que les choses sont débloquées ou est-ce que tu vois quelque chose qui serait nécessaire à faire? Si elle n'ouvre pas les portes, sa génitrice ne les ouvrira pas non plus. Voilà. C'est la raison pour laquelle je proposais de les inviter pour le travail, puisqu'ils sont partie prenante dans ta problématique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les invite? Oui? Ok. Ça ne peut être que mieux pour tout le monde. Surtout si toi, tu veux être dans l'ouverture et l'évolution. Hein? Très bien, donc ils seront invités. Parfait. Donc, c'est ce qui permettra de débloquer tout ça. Donc, je disais, on retourne sur l'ancienne ligne de temps. Tu regardes son corps émotionnel et tu vois toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. Il y a de puissantes émotions lourdes, sombres et négatives, déstabilisantes, qui viennent là s'entrechoquer les unes contre les autres. Dans un climat de sensation de solitude, de décalage, d'anxiété, de mal-être, de ne pas être à sa place. Ça vient créer des frustrations, ça vient créer des colères aussi qui viennent là en réaction à ces frustrations. Et ça vient créer des culpabilités aussi, le programme de la culpabilité qui vient s'activer et qui est là comme une chape de plomb et qui vient écraser là tout le corps émotionnel.
Ça génère une basse estime d'elle-même et des fuites d'énergie importantes aussi. C'est bon. On va regarder du côté des cinq blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles ? Il y a la trahison qui vient tout de suite, la partie physique qui a ce ressenti d'avoir été trahi par le soi supérieur, pour avoir été laissé là, rejeté, abandonné là, dans cette incarnation-là, dans ces conditions d'incarnation-là. Ça n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Il y a le ressenti d'injustice aussi de ces conditions d'incarnation. Et le ressenti d'humiliation aussi de ne pas arriver à faire le tri dans ses émotions et à maîtriser le cours de son incarnation de façon fluide et en expansion comme elle le voudrait. Donc pour pouvoir fonctionner quand même au cours de l'incarnation, elle a mis en place des systèmes de protection. C'est des murs de protection qu'elle a disposés autour d'elle, dans son espace énergétique, de plus en plus haut, de plus en plus épais, au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, dans l'objectif d'éviter les pics de souffrance, dans l'objectif de pouvoir continuer à avancer dans l'incarnation tout en restant à l'abri des souffrances. Sauf que ces murs de protection viennent la couper de ses intuitions, viennent la couper d'avec sa puissance intérieure, d'avec ses parties de la communication, d'avec ses parties supérieures. Donc au final, ça vient l'éloigner de son centre, l'éloigner d'elle-même, de ses intuitions, de ses perceptions injustes. Donc ça vient faire l'effet inverse de celui qui était voulu et au départ. C'est bon. Bien, je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste de tout ça ? Il en reste des habitudes de fonctionnement avec les programmations associées. Et puis aussi des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on a mis tout ça sur tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et avant de continuer, j'ai encore un point que j'avais oublié. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, donc, elle utilise le mensonge, la tricherie, le vol, c'était pour survivre à une époque. Voilà. Et aujourd'hui encore, c'est toujours là. C'est des programmations artificielles insérées en elle par les montres pour générer en elle cette programmation de culpabilité puissante. Bien. Il en reste quelque chose, hein ? Oui, il en reste des habitudes de fonctionnement, puis les programmations qui continuent de tourner toutes seules. Et les mémoires traumatiques aussi avec écho et résonance. Très bien. Et quand elle dit que bon, c'est ce qu'elle a appris de sa famille et qu'elle leur en veut un peu pour ça aussi. C'est une programmation. Est-ce que c'est clair maintenant, avec toutes ces compréhensions, que même sa famille subit également, toutes ces prédations ? Oui, c'est toutes les consciences qui font l'objet de prédations. Pas les mêmes prédations, mais une sorte de contrôle là, sur chaque conscience qui est là. Voilà, c'est important que Natacha le comprenne, et comme ils seront invités, ils pourront prendre conscience et connaissance de leur situation, et s'ils le choisissent, de faire ce qu'il faut. Voilà. En tout cas, c'est important de leur donner l'occasion. Bien, donc on élimine tout ce qui reste sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et puis, donc justement, maintenant, elle est en contact avec la source par son intention, et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque en activant tous les ressentis, sensations, émotions, sentiments, perceptions. Oui.
Et chacune de ces cellules s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chacune des particules à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Natacha à présent ? Apaisée, tranquille et légère. Une sensation intérieure de bien-être, de sécurisation. Un ressenti de complétude. Ça lui apporte du bien-être, de la sécurité, de la légèreté. Et du plaisir d'être là aussi, dans l'instant et dans l'incarnation. Alors, qu'elle permet de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, dorénavant, en permanence. C'est bon. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de réalité, à chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. À présent, nous partons de la source. Je veux savoir comment elle vit cet événement qu'on appelle communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ses compréhensions, ses nouvelles compréhensions et ses nouvelles conditions? Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine. Quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, ce que ces nouvelles donc ont sorti de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, de potentialités, et de cette existence en tant que Natacha? Il y a de la curiosité et de l'attirance pour toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant elle. Il y a l'envie d'y participer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Bien, qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ces parties d'elle, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, jusqu'à son ADN et jusqu'à son âme. Oui. Elle peut se ressentir maintenant dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, une confiance et un amour qu'elle est. Oui. Voilà. Elle ressent également ce sentiment de dignité et de légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec amour, plaisir et joie. Oui. Le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, est-ce que tout est juste, que tout a sa fonction utile et que tout a une valeur d'apprentissage et d'expérience, même ce qu'on appelle le négatif ou l'erreur. Oui. Elle repasse par chacune des véhicules sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Comment la vois-tu à présent ? Joyeuse. Elle ressent cette force intérieure qui est là présente à l'intérieur d'elle-même, qui monte, cette joie profonde qui monte, qui vient s'équilibrer, se placer en elle, s'expanser. Il y a sa lumière intérieure qui monte, qui vient éclairer tout son espace. Il y a sa conscience qui s'expanse.
Ça lui apporte du bien-être, du plaisir et de la joie d'être là dans l'incarnation. C'est bon. Bien, alors ça va être le moment des invités. Donc elle a nommé son compagnon, bien sûr, sa famille, en particulier sa mère, si elle veut que ça se débloque. Et bien sûr, toutes les personnes qui lui veulent du bien, selon sa propre expression. Oui. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont là présentes, elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire. Elle propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur propre situation. Et propose de profiter de cette opportunité. Oui. Comment est-ce que tu vois sa famille déjà, sa mère ? En retrait et en observation. Une méfiance qui est là. D'accord. Mais l'attention et l'observation sont là. Eh bien, c'est bien. Comme ça, ils pourront décider en temps voulu s'ils veulent faire les mêmes choses ou pas. Mmh. Hein? Très bien. Autrement, il y en a qui sont là et qui choisissent de faire le travail ? Oui. D'accord. Son compagnon ? Oui. Et d'autres personnes ? Oui. Alors, elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et propose donc de faire la même chose. Est-ce que chacun choisit de faire ce travail et est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce avant de commencer ? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, échos, résonances, réminiscences, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Oui. Donc, et bien sûr, dans toutes les boucles, toutes les vies et toutes les couches. Oui. Et chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, sur tous les plans, dans toutes, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. Oui. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. C'est fait. Chacun se place dans une bulle critique de protection, secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Travaille sur son se connecter à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Natacha pour elle-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Bon, on va regarder du côté des désincarnés. Donc, elle a nommé celle qui a été sa sœur. Dis-moi sur quel plan tu la vois et dans quelle situation ? Elle est dans le moyen astral, en train de chercher sa route. Bien. Alors, identifie-la, regarde sur l'ADN, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Voilà, tu peux communiquer avec elle ? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchée en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle ? Il y a une élévation de fréquence qui vient réorganiser ses perceptions. Elle perçoit maintenant clairement ce qu'elle va faire. Bien. Donc, que choisit-elle de faire ? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, liberté et souveraineté ? Elle remonte à la source. Dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement, et elle libère tout et tous. Oui.
Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été sa sœur et à tous ceux qu'elle a aimés sur le plan terrestre? Elle vient remercier celle qui a été sa sœur. Il y a l'expression du soulagement qui est là. Il y a de la légèreté aussi, du bien-être, de la légèreté. Tout ça, elle le transmet en fait. Elle le transmet à celle qui a été sa sœur et à toutes les consciences qu'elle a connues et aimées sur le plan physique. La laisse pas partir. Hein. Elle est là. Bien. Est-ce que tu peux lui demander si elle peut envoyer de l'énergie et de l'information dans toutes les lignées paternelles et maternelles afin que chaque âme qui se désincarne puisse faire la même chose qu'elle? Oui. Très bien. Allons-y. C'est fait. Voilà, nous pouvons la saluer. Elle est partie. Bien, maintenant, celle qu'elle appelle la mère de sa génitrice. Alors pour nous, sa grand-mère, bien sûr. Sur quel plan tu la vois et dans quelle situation? Elle est en observation des roues d'incarnation. Un peu décalée, sur le côté, dans une forme de résistance énergétique pour ne pas se faire entraîner vers ces roues d'incarnation-là. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Alors tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui si elle veut être aidée. Oui. Alors nous la connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touchée en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il? Il y a une montée en fréquence qui vient rééquilibrer ses énergies. Ça lui donne de la force et de la puissance. Elle flotte maintenant légèrement. Que choisit-elle de faire? Remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, liberté et souveraineté? Remonte à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer, dire quelque chose à Natacha et à tous ceux qu'elle a aimés sur le plan terrestre? Elle vient remercier Natacha, qui était sa petite fille. Elle reconnaît son essence. Mais elle est complètement détachée du plan terrestre. Elle reconnaît juste son essence. Elle envoie de l'énergie d'amour inconditionnel à toutes les consciences qu'elle a connues là sur le plan terrestre, y compris à celle qui a été sa petite fille. Et puis elle remonte. Eh bien, nous la saluons. Elle est partie. Bien. On revient à Natacha. Oui. Alors, regarde s'il y a des liens toxiques. Oui. Alors, elle les coupe tous en dissolvant les racines sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres? Oui. Idem. 1, 2, 3. En vois-tu encore? Des réminiscences. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Voilà. Elle va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système matriciel de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. Et elle dissout les racines. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations.
volontaire, délibéré et éclairé. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. 1, 2, 3. Oui. De l'espace mort au ciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double némiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Donc, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir dès maintenant et apprécier, et toi également si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui les nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morentiel. Oui. Pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double némiscate activée. Oui. Elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son cœur chevelu, ses ongles, etc., sa peau, comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va regarder son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 7 connectées et 6 activées. Elle peut activer la 7e? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. C'est des programmes de stabilisation de ces bases énergétiques qui permettent de déployer de nouvelles potentialités, de nouvelles possibilités d'expérience. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Peux-tu me dire combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? Entre 9 et 15 mois. Entre 9 et 15, est-ce que tu vois des effets rapides? Oui. Lesquels? Des sensations de légèreté, de lâcher prise, de bien-être. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 15 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes post-séance? Il y a des retours de sensations d'oppression, de décalage, de mal-être, de blocage. Ça revient par vagues. Dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas installés encore complètement. Donc le mental égo cherche à se rassurer, à se stabiliser en venant recréer dans le présent les informations qu'il va chercher dans le passé. Alors si ces moments surviennent, hein,
ou tu auras l'impression que les choses reviennent en arrière ou s'aggravent. Souviens-toi de ces recommandations. Plus tu resteras confiante et sereine, plus tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail, et plus la métabolisation sera courte et meilleure en qualité et en profondeur. Pour soutenir toutes les parties de Natacha, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent bien, libre, joyeuse, heureuse et pétillante. Elle ressent toute cette énergie là qui pulse à l'intérieur d'elle-même et qui en même temps est équilibrée. Ça lui apporte du bien-être, hein, de la joie et du plaisir d'être là dans l'expérience de l'incarnation. Alors qu'il n'a pas le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui. Elle ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement, dans toutes ses parties d'elle, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, jusqu'à son âme. Oui. Et pour chacune de ces parties, ça devient le nouveau repère, le connu, et même des habitudes qu'elle peut programmer ici et maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. Oui. Voilà. Donc, on va pas faire les recommandations, elles ont déjà été faites, il suffira de les réécouter. On va regarder à présent son domicile. Comment le vois-tu? Il y a des sas d'ouverture entre les plans qui viennent créer des déséquilibres énergétiques. Ça vient d'où? De son ancienne situation énergétique. Est-ce que tu peux voir les sous-sols, voir s'il y a des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Rien qui vienne l'impacter. Alors elle va faire une puissante tornade, elle va tout nettoyer, partout, la mémoire des murs, les meubles, les objets, partout où elle sait que c'est nécessaire. Cave et grenier s'il y en a. Enfin, elle le sait. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double lumière activée, sécurisée. Oui. Sur son compteur électrique qui est aligné, tu crées un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée, sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Qui vont produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un gaz rafraîchissant et régénérant qui favorise un sommeil profond, calme, paisible, régénérant, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également et les autres occupants également s'ils le désirent. Oui. Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et en sécuriser également. C'est fait. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut réaliser tout ce qu'elle veut réaliser, concrétiser, manifester. Mm-hmm. Oui. Par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activée, sécurisée. Oui. Et autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise également. Oui. À présent, tu vas programmer la sécurisation de toute la séance et de toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable.
Oui. Nous allons à présent installer la programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la situation, quelle que soit la ligne de temps, quel que soit son état, elle le quitte en toute sécurité, liberté et souveraineté pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. Oui. Et concrétise. C'est fait. Et enfin, pour toute la séance, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Et on va demander au sens supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. Est-ce qu'il a des conseils à vous donner ? Ah oui, c'est la partie physique qui active cette connexion. Par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et par son intention claire et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Bien, il suffira à la personne de se souvenir de ses recommandations et surtout de les appliquer, voire de les réécouter au besoin. Comment est-ce que tu vois son âme ? Elle s'est dégagée de tout ce qui était trop lourd en fréquence, de tout ce qui ne lui correspondait pas, de tout ce qui ne lui appartenait pas. Elle s'est dégagée, elle est là, libre et légère maintenant. Et sa partie subliminale ? Elle s'est rapprochée de la partie physique, elle crée les connexions de communication avec les différentes parties d'elle-même. Eh bien, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Natacha en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, lumière, couleur, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la seule lumière de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double limiscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Natacha avant la séance et quelle est-elle à présent ? 48 et maintenant 167. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour ? Oui. Alors c'est parti. 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Comment tu te sens ? Bien. Bon, allez, Natacha, tu peux remettre le son et on t'écoute. Ouais, super. Moi, je suis lessivée. On dirait que j'étais dans une machine à laver et on m'a tourné sur 180 tours minutes. Parce que tout ce qui s'est passé, ça a résonné à moi, dans mon corps. C'est incroyable parce que j'étais présent, les sensations de chaleur qui est montée, après des froids, c'est pour ça que j'ai pris ça, parce que j'ai froid. Je baille, des émotions, envie de pleurer, il y a des larmes qui sont sorties. La tête qui serre comme un élastique, en fait, ça me serre très fort, des sensations d'ouverture. J'ai mes pieds aussi, qui me brûlent, en même temps les mains, j'arrêtais pas de faire ça parce que je ressens des circulations, des mouvements, des chaleurs. C'est un peu gênant, mais après, en même temps, je dis oui, c'est le travail qui est en train de se faire, en fait. Mais ça, un peu fatiguée, là, en fait. Je voudrais bien dormir. Eh bien, écoute, tu iras te reposer après, si tu peux.
Donc ça t'a parlé tout ça, tout ce que Emmanuel a vu? C'est incroyable parce qu'en fait, c'est tout qu'est-ce que je ressentais même. C'est tout pareil en fait. Je ressentais ça, ça me parlait, ça résonnait directement à moi. Il n'y a rien qui me paraît nouveau en fait. Toutes ces histoires, c'était à moi en fait exactement. C'est juste qu'elle a mis des mots parce qu'il y a des trucs que je n'arrivais pas à mettre de mots, à les identifier. Elle a pu les identifier, à mettre de mots et elle me permet de clarifier les choses en fait et de me comprendre comment je vais fonctionner maintenant. Ça donne du sens, c'est ça. Exactement, oui. Bon, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as bien compris qu'il y a beaucoup d'informations, sans t'attacher bien sûr à la première partie, hein, c'est juste anecdotique maintenant, mais ça permet de bien comprendre les choses. Et puis surtout dans la deuxième partie, des moments où tu en auras besoin, ça stimule les énergies, tu peux refaire ta séance, etc. N'hésite pas. Ah, je n'hésiterai pas. Je vais le réécouter tranquille, calmement. Ça va beaucoup de choses qui vont sortir. Je pense qu'il y a des portes qui étaient déjà ouvertes, mais là, c'est beaucoup plus clair. Parce que le moment qu'elle a parlé d'ouvrir les chakras et tout ça, et moi, j'ai senti, on dirait en fait, on m'a enlevé de la couche qui était devant les yeux et qui me rendait aveugle en fait. C'était du sombre, j'ai senti quelque chose. Que les yeux, en fait, ouvre tes yeux, quoi. Regarde clair devant toi, c'est propre. Tu peux bien voir. Eh bien, tout va dépendre maintenant de ce que tu vas en faire, hein. Donc, tu as bien compris qu'il faut rester confiant quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. Tu sais que, voilà, ça sera normal. D'accord? Je D'accord. pense à la métabolisation. C'est pas anodin. Ouais, exactement, oui. Donc, merci à toi, merci à Emmanuel et j'espère qu'on aura des nouvelles. Tu nous diras par mail comment les choses se passent. Hein? Oui, je vous ferai de retour. J'attends que ça s'imprègne et ça Quand tu passe tout. voudras, voilà, quand tu Après, je me sentiras que sens. c'est le moment. Ok, parfait. Voilà, ta vidéo, on l'a publiée en clair? Oui. Toujours? Bah, Je super. passe tout. Je n'ai pas changé d'avis. C'est bon, c'est Magnifique. ce qu'il y a. C'est parfait. Merci à toi, on va te souhaiter une très bonne métabolisation et une très bonne journée. Merci à vous aussi, hein. Je vous remercie et bonne continuation pour la suite. À bientôt Merci. pour les nouvelles. À bientôt, Au Natacha. revoir.